Bonsoir, bienvenue à cette émission Papier, Plume, Parole. Nous sommes tout à fait rigoureux de vous retrouver encore ce soir pour vous parler de littérature, de livres. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir dans cette émission Monsieur Mambi l'Africain Magasuba. L'Africain Magasuba est auteur de ce livre Sadakal, les sacrifiés, et dix livres parus en France. Et de passage avec Conakry, nous avons bien voulu le recevoir dans cette émission pour qu'on puisse parler de son ouvrage. Et nous sommes tout à fait heureux de retrouver aujourd'hui dans la littérature guinéenne d'expression française, après 63 ans d'existence, des jeunes gens qui écrivent et qui ont beaucoup de talent. J'espère que Mambi ne va pas le lâcher, qu'il restera dans ce milieu. Mambi l'Africain Magasuba, Sadakal, les sacrifiés. Nous allons essayer de rentrer dans les serres de ce livre pour parler de ces héros qui sont super intelligents, qui sont super bruyants, puisque ils nous envoient dans un quartier où se passent ces événements. Nous allons parler de ce livre tout à l'heure dans cette émission Papier, Plume, Parole, cette émission trentenaire ici à la télévision guinéenne. Mambi l'Africain, Magasuba, Sadakal, les sacrifiés. Les mutants, roman de Mustapha Bezari, ce sont les dernières publications dans la ville. Ici à Conakry, Les Mutants, publié chez L'Armatan. Nous inviterons le directeur de l'ISKEG ici, qui est ici juste à côté de la télévision, qui a publié ce roman. C'est la deuxième fois que nous présentons ce roman dans cette émission. Donc, vous avez vu dans cette émission le professeur Lansiné Kaba, Cheikh Oumar Camara. Et ce soir, nous allons nous entretenir avec Mambi, avec qui l'Africain, le Magasuba. On est très curieux de savoir, Mambi, bienvenue dans cette émission. Merci. Très heureux de vous accueillir ici. Mambi l'Africain Magasuba. Pourquoi l'Africain Magasuba? L'Africain, c'est un simple surnom que m'ont donné mes amis lorsque je suis arrivé à Paris dans le cadre de mes études. Et au départ, c'était une sorte de moquerie, en fait. Et moi, j'ai bien voulu leur envoyer la balle en gardant ce nom que j'aime bien, finalement. Ben, vous êtes un auteur confirmé, puisque vous venez de sortir votre premier roman. La photo que nous avons ici, c'est la photo d'un intellectuel. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez fait droit à Paris. Et aussi, vous êtes spécialiste des questions des ressources humaines. Vous avez fait de bonnes études à Paris et nous sommes tout à fait contents pour vous. Et vous nous présentez ce livre qui s'appelle Sadakal. Est-ce qu'on peut un peu voir de façon allégorique Sadakal, les sacrifiés? Pourquoi ce titre? Les sacrifiés, parce que les sacrifiés que j'ai voulu désigner, bon, peut-être qu'on va l'aborder plus en profondeur, mais les sacrifiés que je désigne, c'est l'ensemble de la société que je présente dans le bouquin. C'est-à-dire l'ensemble des personnages qui sont la représentation d'une société dans laquelle on peut se retrouver. Donc j'ai voulu, à travers des types humains, faire une sorte de présentation de la société, et c'est l'ensemble de la société que je désigne en tant que sacrifié. Elle est-elle sacrifiée, cette société? Mais vous avez, la couverture de ce livre nous montre le buste ou la tête ou la poitrine rapprochée, comme on le dit dans notre métier ici, à la télévision, d'un albinos. Oui, tout à fait. Pourquoi s'appuyer sur cette catégorie de... Parce que les albinos aussi font partie de ces sacrifiés-là, puisque déjà, en tant qu'individus, ils sont à part entière de la société. Et puisqu'ils sont aussi victimes, comme on le sait tous, des différentes exactions liées un peu à des coutumes ou à des pratiques occultes, ou en tout cas à des pratiques insoupçonnées, pour résumer tout cela. Donc c'est dans ce sens que j'ai voulu les mettre devant. Bon, j'aurais pu mettre en avant aussi des enfants qui sont aussi victimes de ces pratiques occultes-là. Mais j'ai choisi les albinos parce que je pense que ce sont les premières victimes, en fait, De ces différentes pratiques occultes et du syncrétisme religieux, finalement, propre à l'Afrique noire. Mais écoutez, pour un premier roman, vous nous construisez un monde bigarré. Oui. Un monde bigarré où vous avez... tout se passe dans un quartier. Tout à fait. J'ai choisi la plus petite quartier entité. Imaginaire. Exactement. Imaginaire, bon, inspiré d'un quartier réel dans lequel j'ai grandi. Mais c'est ma volonté, c'était de m'immerger, en fait, dans une petite entité administrative, finalement, qui est le quartier en Guinée. Et à travers ce quartier-là, présenter quelque chose d'assez général, en fait, qui est lié à tout un pays, peut-être à tout un continent, qui est l'Afrique. Mais écoutez, le quartier s'appelle Akafo-Kake. Ouais. Pourquoi Akafo-Kake? J'ai toujours voulu, en fait, faire un clin d'œil à nos différentes langues dans mon roman. C'est une sorte de légèreté que je veux garder dans mon œuvre et que j'ai envie de continuer avec et ça. Ici, un de vos héros, c'est pas pour vous employer, un de vos héros s'appelle Afakoudou. Oui, ouais, c'est des expressions. Ça me rappelle un peu William Sassine. Qui est mon auteur. C'était les exclamations de William Sassine. Qui est mon auteur guinéen préféré, ouais.
William Sassine. Oui, ce sont des expressions idiomatiques, en fait. Et pour moi, ça me permettait de faire un clin d'œil, comme je viens de le dire, à l'ensemble des ethnies du pays, parce que je pense que toutes les ethnies s'y retrouvent à travers ces expressions idiomatiques. Il y a ici Nandi. Idiomatiques. Ouais, voilà. Il y a Nandi. Nandi, qui est une figure du bouquin, qui est la femme qui va mettre frein à l'excision, en fait, des jeunes filles d'Akafokaké. Ah ouais, moi, je saute sur l'occasion, j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'auteurs guinéens. Mmh. Et dans les livres d'auteurs guinéens, vous avez ce qu'on appelle l'excision. Les dames, quand je prends le livre de Kesso Bari, elle en parle. Quand je prends le livre de Mariam Bari, elle en parle. Quand je prends le livre même de Kamara Lai, il parle de l'excision. Ouais. Mais dans votre ouvrage, vous mettez l'excision comme un élément reprobateur que les femmes... n'en veulent plus. Femmes n'en veulent plus. Exactement. J'ai toujours pensé que les femmes là, vous sont... Vous avez créé un mouvement de femmes. Exactement. Qui se revoltent contre ceux qui veulent pratiquer l'excision. Oui. En bordure de rivière. Exactement. Donc je pense que ce sont les femmes, ce sont à elles qui finalement de mettre fin à cette pratique. Déjà, on le voit à travers différentes associations. Et j'ai toujours pensé que les femmes sont à l'avant-garde de la société, des sociétés africaines en fait. Donc outre même la question de l'excision, je pense que tout ce qui va falloir changer dans nos sociétés... Ben, en avant-garde, il faut impérativement nous aurons des femmes, en fait. Mais donc, pourquoi vous mettez les femmes à l'avance? Parce que c'est elles qui, oui, qui sont capables de changer les mœurs dans nos sociétés. Exactement. Je pense que c'est elles qui sont capables. C'est elles qui ont cette capacité de changer les choses. Et bon, d'autant plus que l'excision, c'est une question qui les touche directement. Donc, je vois. C'est pourquoi, dans le roman, je mets un peu en opposition des hommes qui se réunissent et qui parlent d'excision dans une cour, dans la cour du chef de quartier. Chef de quartier, oui. Alors que les femmes sont telles qui sont en action, en fait. Donc, les hommes sont muets et stériles, alors que les femmes sont combattantes et engagées, en fait. Oui, écoutez, vous me parlez de chef de quartier où se passent des rencontres, où chacun vient parler des imams aussi du quartier. Et qui sont tous imbriqués dans cette œuvre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une œuvre avec des personnages bigarrés, c'est-à-dire de plusieurs couleurs qui viennent avec leur spécificité. Exactement, c'est les types humains. C'est les types humains que j'ai voulu représenter dans le bouquin. Parce que bon, je pense que chacun d'entre nous, lorsqu'on se promène dans son quartier, on voit des types de personnes, en fait. Et ces types de personnes ont tendance à se reproduire, par exemple. J'ai constaté que lorsque je suis dans un bar-café ou lorsque je suis autour d'une tasse de thé, il y a toujours la personne qui invente tout le temps des histoires, qui connaît tout à tout. Donc c'est le type humain de Oulé Falé dans mon oui, dans mon roman. Oulé Falé. Oui, exactement. Et c'est un peu comme ça. J'ai voulu prendre quelques éléments de la société que l'on peut retrouver dans toutes les sociétés africaines, en fait. Mais Oulé Falé, il est prolixe, il parle beaucoup, il a la connaissance de tout. Exactement. Il connaît tous les sujets qui se passent. Il connaît toutes les histoires. Les histoires qui se passent dans ce quartier. Ouais. Et il est prolixe. Ouais. Mais néanmoins, vous avez ici un homme riche. Ouais. Un homme riche qui croit à ces réalités dont vous disiez tout à l'heure que vous avez voulu construire aussi ou mettre en évidence le syncrétisme religieux dans nos communautés. Tout à fait. C'est la personne clé du roman. Parce qu'en réalité, Afakoudou, le personnage... Il s'appelle Afakoudou. Qui est l'albinos. Et le personnage clé du roman, c'est M. Madidi. C'est le personnage central. En ce sens que l'allégorie même du roman se trouve en sa personne, en fait. Puisque c'est quelqu'un qui est musulman et à la fois... qui fait des pratiques occultes puisqu'il déterre le propre corps de sa mère pour faire ce que certains sauront. Et en fait, j'ai voulu montrer à travers lui une tare qui est propre à toutes les sociétés africaines, même celles que l'on considère comme étant plutôt musulmanes ou chrétiennes, qui est ce problème du syncrétisme, parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, comme j'ai souvent tendance à le dire, tous les peuples finalement ont été confrontés à une nouvelle religion. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les Romains, en 315, lorsqu'ils se sont convertis, ils ont détruit tout ce qu'ils avaient comme statut, tout ce qu'ils avaient comme pratique, et ils se sont convertis entièrement, grâce à Constantin, au christianisme. Et il y en a d'autres qui ont fait le choix inverse, c'est-à-dire qui ont refusé de se convertir et qui sont continués sur leur ancienne religion. C'est le cas des chrétiens coptes, par exemple. Mais il n'y a qu'en Afrique noire, spécifiquement, où il y a eu cette tendance un peu hypocrite. Qui est cumulative, en fait. Alors que, fondamentalement, la foi, on ne peut pas cumuler deux fois, en fait. Et je pense que c'est pourquoi l'association est le péché le plus grave dans toutes les religions monothéistes, en fait. C'est parce que je pense que, fondamentalement, Dieu même ne peut pas accepter d'être additionné à quelque chose d'autre.
Et le sacrifice des albinos, le sacrifice des enfants est quelque part la conséquence de ce syncrétisme-là qui fait que nous sommes des êtres fondamentalement duals, fondamentalement tiraillés en fait. Et ce tiraillement se voit finalement dans tout ce que l'on fait, dans toute la société dans laquelle on est. Mais alors, cet homme riche qui vient en aide aux gens du quartier pense que il a son salut en pratiquant en pratiquant l'occultisme. Oui, c'est un peu l'hypocrisie des choses, parce que généralement ceux qui pratiquent l'occultisme, c'est des gens qui le font pour avoir du pouvoir, pour avoir plus d'argent. Et il se trouve que toutes les personnes qui les entourent considèrent que c'est des gens bien, que c'est des gens normaux, puisqu'ils font beaucoup de sacrifices, ils sont présents lorsque les gens de leur quartier ont besoin d'eux, mais par ailleurs, ils ont des pratiques insoupçonnées que cette fois-ci la société ne voit pas. Et ben, c'est ce que j'ai voulu aussi quelque part dénoncer. La face cachée de l'iceberg. Voilà. Disons que dans ce cheminement de cet homme-là, c'est lui qui fait venir à Fakoulou en sa résidence. Exactement. Il le fait venir comme on fait venir un colis, en fait. Parce qu'à Fakoulou lui-même, il ne sait pas pourquoi il vient dans la capitale. Il est venu à Conakry par le biais du frère de M. Madidi qui vit en province. En province, ouais. Et c'est lui qui l'amène comme on envoie un colis. Donc lui, dans sa tête, il pense qu'il vient peut-être pour faire des études ou pour évoluer dans une société plus prospère. Mais bon, je laisse un peu le lecteur imaginer ce qui se passe dans la tête. Moi, j'ai imaginé la suite. Bon, la maman de Madidi meurt, mais je pense qu'elle n'a pas été très très gentille à l'arrivée à Fakoudou dans sa résidence. Elle a été terriblement... elle a voulu rejeter le garçon, tout simplement qu'il venait d'une autre société. Oui, tout à fait. Je profite un peu pour dénoncer plein de choses. En dehors même du thème fondamental qui est finalement le syncrétisme des pratiques occultes, j'en profite pour aborder plein de sujets, et bon, c'est le sujet même du racisme en quelque sorte, parce que Afakoulé de l'exclusion. Afakoulé est un albinos, il est exclu du fait de sa pigmentation en fait. Et nous les Africains, on a tendance souvent à beaucoup se plaindre du racisme des autres envers nous, mais on a très peu de commentaires lorsqu'il s'agit de discrimination entre noirs et noirs, en fait, ou entre noirs et albinos, qui finalement sont des noirs comme nous. Et là, je saute, je vais paraphraser notre ami William Sassi, qui me parlait de ça, pour les albinos. Il disait que les Africains sont les plus grands racistes, parce que les albinos sont noirs comme nous, c'est un problème de pigmentation, exactement. Mais finalement on les rejette. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous pensez que Madidi, en faisant venir, à Fakoudou dans sa résidence, pensait que la présence de Fakoudou lui apportait beaucoup de chance? Oui, il pense que sa présence lui apportera beaucoup de chance, et il pense même qu'en le sacrifiant, puisqu'il y a tout un rite à la fin du roman. Donc le but principal, c'était ça, il l'a fait venir pour le sacrifier, mais je n'en parle pas en début de roman. Bon, peut-être qu'il y a des indices, puisqu'il va voir ses fétichères, mais puisque, en dehors même du sacrifice des albinos, je voulais dépeindre cette société un peu... tiraillé. Oui. C'est pourquoi j'ai pris tout le temps de décrire le sacrifice qu'à la fin du roman, en fait, le sacrifice en soi, à la fin du roman. Et j'ai plutôt insisté sur la société elle-même qui est tiraillée entre monothéisme. Mais justement, à lire le roman, et moi qui suis curieux, j'attends à ce que Afakoudou meure. Oui, ben je suis à la recherche entre les lignes de la mort. Ça sera dans la suite, et peut-être qu'il ne mourra pas, peut-être qu'il mourra. C'est dans la suite. Oui, mais parce que moi j'ai pensé qu'il allait mourir à la fin du roman, après les sacrifices de Madidi, et Afakoudou qui a mangé, puisque Madidi quitte sa résidence pour à un moment donné, il disait à sa bande de l'informer, et de l'informer s'il y a malheur ou pas, et de lui tenir au courant. Et au même moment, Afakoudou tombe malade. Oui, exactement. Il tombe malade. Et bon, rien n'indique par contre dans le roman qu'il n'est pas mort. Parce qu'il y a tout un monde qui s'attroupe autour de lui. On commence déjà à préparer les funérailles. Rien n'indique qu'il n'est pas mort. Mais c'est un peu ce côté suspense que j'ai voulu garder à la fin du roman pour inciter à lire le prochain tome qui sort bientôt. Mais alors, Mambi, l'Africain Magasuba, pourquoi pour un premier roman, vous avez emprunté les chemins des mythes et de la mystique africaine?
Je pense que c'est parce que j'ai lu beaucoup de littérature russe, en fait, parce que bon, moi, je suis... De littérature russe. Russe. Oui. Ah oui, vous m'apprenez des choses, là. Oui, je suis venu un peu à la littérature par... Vous parliez tout à l'heure dans la voiture de Dostoïevski. Oui, Dostoïevski, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai lu Dostoïevski, et ça, je pense que Dostoïevski, c'est l'auteur qui m'a donné l'envie d'écrire, en fait. Il y je a aussi Aitmatov. En fait, c'est des écrivains de la nouvelle génération, oui. De l'ex-URSS. Oui, que je ne connais pas, mais j'ai plutôt lu Tolstoï, Gogol, Pushkin. Léon Tolstoï. Ouais. Bon, j'ai lu d'autres auteurs aussi, comme Kafka, par exemple, ou comme Cervantes, que j'aime bien, qui est très drôle et que j'essaie un peu d'imiter dans ma façon d'écrire. Ah, finalement, vous avez dû lire Pushkin aussi. Oui, si, j'ai lu Pushkin. Ben, j'ai beaucoup lu les nouvelles de Pushkin et ses poèmes, parce que je pense qu'il était plutôt poète que... poète et puis parfois dramaturge. Voilà, exactement. Et donc je disais que c'est Dostoïevski qui m'a donné l'envie d'écrire. Je me suis senti le droit d'écrire lorsque j'ai fini de lire Les Possédés. Et bon, pourquoi est-ce que je m'attaque à des sujets comme ça? Parce que j'ai l'impression que la littérature de nos jours, généralement, c'est devenu quelque chose d'assez banal. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup trop parfois sur le style. On insiste aussi parfois sur des frivolités, alors que je pense qu'en tant qu'auteur africain, on a tellement de choses à dénoncer qu'il serait presque incongru de parler de choses futiles, en fait. Oui, mais dans votre roman, il y a une certaine légèreté. Légèreté, tout à fait. De vos héros, du moins. Exactement. Ben, d'un point de vue artistique, je pense. Qui ne se prennent pas au sérieux. Exactement. Ben, moi-même, je ne me prends pas au sérieux en écrivant. D'ailleurs, les noms que je donne à mes personnages ne sont pas des noms sérieux. Mais là, je vous renvoie aussi à Amadou Kourouma et. En attendant le vote de Bête Sauvage, Amadou Kourouma qui affabule les possédeurs de Senghor de Rusé, et il parle d'autres chefs, il y a un autre chef qui ne veut que du pouvoir, tout de suite. J'étais le nom de ce chef d'État africain. Il y a... Bon, voilà. Alors vous faites la même chose. Oui, bon, disons que je ne copie pas Amadou Kourouma, mais je fais exactement la même chose, parce que d'un point de vue artistique, je pense qu'il est bien plus intéressant de dénoncer des choses graves avec de la légèreté. En fait, c'est beaucoup plus habile, et donc d'où le nom de mes personnages, d'où l'humour que j'essaye. Alors, vous nous amenez aussi aux fables, là. Oui. De la Fontaine Fable. Oui, tout à fait. La Fontaine Fable qui détournait complètement, qui remplaçait des rois par des lions, des cerfs. Je disais qu'il y avait une certaine légèreté de vos héros, qui ne se prennent pas au sérieux. Mm-hmm. Mais moi, je vous disais, les thèmes de ce roman qui sont imaginaire et inspiré du quotidien de ce quartier dans lequel vous avez vécu. Oui, en fait, le quartier m'a servi de décor, parce que lorsque j'écris, je pense à mon quartier et ça me permet d'avancer dans le bouquin. Mais les thèmes en soi ne sont pas des thèmes qui sont propres à mon quartier. Je pense que c'est des thèmes qui sont plutôt généraux. Et le quartier dont je parle, c'est le quartier Sangoya, je pense que je peux le dire. J'ai grandi dans un endroit qui s'appelle Fassa, et où il y a, une atmosphère qui favorise l'inspiration. Et toutes les fois que j'écris, que ce soit des poèmes ou que ce soit un roman, je m'immerge un peu dans ce quartier-là, même si j'y suis loin, en fait. Ok, donc vous portez en vous, même si vous vivez en France, vous portez en vous les sucres des réalités de ce quartier Fassa. Oui, je pense que peu importe où on est, on porte toujours en soi quelque part de notre pays, en fait. Je pense que c'est inné, en fait, on peut rien contre cela. Mais en plus de cela, moi, le quartier Sangoya me permet de m'immerger, me permet de m'inspirer, en fait, c'est quelque chose. Ben, voilà, donc, mesdames, messieurs, j'ai reçu pour vous, je reçois d'ailleurs dans cette émission monsieur Mambi l'Africain Magasuba, auteur de Sadakal, Les Sacrifiés. Mais pourquoi avoir pensé que tout ce personnage, tout ce quartier, les gens sont sacrifiés? Pourquoi sont-ils tous des sacrifiés? Ou vivent-ils dans une prison à ciel ouvert? Exactement, une prison et peut-être un théâtre à ciel ouvert. Ok, donc, je prendrai théâtre. Un théâtre à ciel ouvert. Bon, comme je disais tantôt, je pense que tant que nous les Africains, on n'a pas pris une direction, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi une foi, je considère que nous sommes des sacrifiés, en ce sens que le syncrétisme ne peut pas marcher. On peut prendre un exemple de toutes les sociétés, même quand on va en Amérique latine et que les populations les plus misérables, celles qui souffrent le plus, celles qui sont ostracisées, c'est les populations qui sont des populations noires et qui ont gardé le vaudou ancestral.
et qui essaye de le jumeler en quelque sorte avec le christianisme. Donc, bon, ce que je dis n'est pas scientifiquement démontré, mais fondamentalement, je pense qu'il ne peut pas avoir alliance de deux croyances dans le cœur d'une même personne, en fait. Donc, c'est en ce sens que ceux que je présente là sont des sacrifiés. Après, il n'y a pas que ce côté, sacrifice humain, comme je l'ai dit tantôt. Il y a ce côté impossibilité de cumuler deux fois, en fait. Et mes personnages, qui sont des types humains, représentent ces sacrifiés-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme de refuge, mm-hmm. Face à une douleur, face à une situation qu'on ne peut pas surmonter, mm-hmm. L'être humain est censé se réfugier dans une croyance qui n'est pas celle qu'il pratique constamment. Oui, mais est-ce qu'il faut que ce soit une croyance religieuse? Moi, je prends souvent l'exemple de ceux qui sont musulmans, par exemple, 7 jours sur 7, qui prient et qui, à la fin de chaque année, vont dans leur village pour faire des sacrifices à des divinités, par exemple. Je pense que ces sacrifices-là sont des pratiques religieuses, en fait. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, il y a une hypocrisie autour de tout cela, parce qu'on ne les considère pas comme étant des pratiques religieuses, alors que lorsqu'on fait des sacrifices à des divinités, on est clairement dans le fait religieux, on n'est plus dans la coutume, en fait. Mais tout ce qui est du fait religieux, on a tendance à l'amener vers la coutume et à ainsi de passer dessus. Mais en réalité, quelqu'un qui est musulman ou quelqu'un qui est chrétien n'a pas à aller à faire des sacrifices à des divinités. Est-ce que retrouve cette pureté-là chez l'être humain, hein, puisque c'est des pratiques païennes qui existaient et... les grandes religions, même dans notre pays, les mmh. djihads, ah, ouais. dans toutes les régions de la Guinée, il y a eu des djihads contre mmh. ceux qui adoraient les bois, ceux qui adoraient ceux qui avaient des pratiques païennes. Tout à fait. Mais au fond, mmh. on le fait. Oui. On le fait à l'insu de l'autre, d'autrui, ouais. on le fait c'est à l'insu des ouais. autres. Ouais. Et comment vous expliquez cette forme de dichotomie? Bon, j'aurais deux réponses. La première réponse, c'est l'islam en elle-même. Lorsque la Mecque s'est converti à l'islam, les statues qui se trouvaient dans la Kaaba et qu'on adorait avant ont été détruites. Il y a eu une destruction physique, mais je pense que la symbolique est encore plus importante, c'est-à-dire qu'on rompt complètement avec l'ancienne pratique et on se convertit entièrement à la nouvelle. On ne reste pas à cheval entre les deux. Et moi, je pense tout simplement qu'en Afrique, c'est une certaine hypocrisie religieuse, en fait. Parce que lorsque vous avez choisi une direction, vous n'avez plus à revenir dans l'ancienne. Peu importe maintenant les moyens, parce que s'il est vrai que parfois, ça a été sous le coup de l'oppression que les gens se sont convertis à l'islam ou à d'autres religions. L'obligation. Oui, ils ont été obligés parfois. Mais ostracisés. Exactement. Parfois. Ouais. Mais du moment que le choix est fait, autant continuer sur cette nouvelle donne au lieu de stagner, en fait, entre deux choses qui sont aux antipodes l'une de l'autre, parce que l'islam dit tout le contraire de ce que disent les pratiques occultes, en fait. Le Coran ne dit pas de sacrifier des albinos, alors que ben, certaines personnes n'hésitent pas à le faire. Et bon, ces personnes-là se trouvent finalement entre deux choses opposées, et du coup, ils sont tiraillés, en fait. Ils sont tiraillés entre deux pratiques. Mais vous m'amenez à un problème psychique, à un problème psychologique. Mm-hmm. Par rapport à cela, tout à l'heure, vous disiez que dans toutes les religions monothéistes révélées, on s'est débarrassé de ces pratiques païennes. Mm-hmm. Mais au demeurant, on y reste. On y reste. On y reste par la réflexion. On y reste par autarcie, je ne sais pas. On y reste peut-être pas. Vous voulez en venir au cas. C'est-à-dire que la pratique, elle est toujours là. Elle est oui. toujours là. On ne oui. s'est pas débarrassé. On y met des millions pour faire cette pratique et pour se donner beaucoup de pouvoir, pour ouais. se donner beaucoup d'argent. Ouais. On va voir ces charlatans et surtout, mm-hmm. vers la fin, les messieurs qui accompagnent Madidi pour déterrer mm-hmm. sa maman, mm-hmm. les ossements de sa maman, ils, ouais. sont, ils sont de trois. Sa propre mère. Ouais. C'est, voilà. Mm-hmm. Justement, bah, mm-hmm. le monsieur, un de vos héros, il raconte qu'il n'a jamais vu une poudre blanche comme celle-là. Oui, ouais, tout à fait. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est une question d'hypocrisie religieuse parce que lorsqu'une conversion est faite, elle est totale, elle n'est pas partielle. Et hélas, malheureusement, en Afrique, j'ai tendance à croire que beaucoup de personnes se désignent comme étant des musulmans ou comme étant des chrétiens ou autres, mais qui en réalité ont des pratiques qui sont complètement contraires à ces religions qu'on a choisies. Donc moi,
Ma position est de dire clairement les choses. Si on n'arrive pas à entrer entièrement dans une religion, autant se retourner à celle qu'on pratiquait avant, mais ne pas rester entre les deux. Donc, quelque part, Sadakal aussi, c'est la dénonciation de cette hypocrisie religieuse, de cette contradiction religieuse, et qui, lorsqu'elle est prise à l'échelle de la société, on finit toujours par voir des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est le sacrifice. Et comme souvent, ce sont les minorités, en fait, ou les faibles qui en pâtissent, puisque ce soit les albinos ou les enfants, comme on peut le voir en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui se présentent. Peut-être que ceux qui pratiquent ça s'appuient parfois sur la lâcheté des faibles. Oui, exactement. Et sur la lâcheté des faibles et sur leur propre lâcheté, d'ailleurs, parce que la plupart, encore une fois, de ceux qui font ça, c'est des gens qui, quelque part, croient en un dieu, quoi. Donc, c'est en dehors même de la lâcheté des faibles qui sont finalement pour rien, et c'est leur propre lâcheté, leur propre hypocrisie. Et c'est ce que j'ai souhaité dénoncer à travers ce récit imaginaire. Oui. Pourquoi dans la chute de ce roman, mm-hmm. et comment vous expliquez le départ symbolique ou le départ de Madidi, mm-hmm. qui va vers l'ailleurs, on ne sait pas où il va. C'est la rupture, en fait. La rupture comment? C'est-à-dire il rompt avec les pratiques, oui, ou il rompt avec le quartier, il rompt avec son environnement. Exactement, il rompt avec son environnement initial pour s'immerger. C'est une allégorie, en fait. C'est pourquoi son départ, j'ai pas voulu expliquer. Il s'est juste retrouvé dans une société, de la même façon que dans les romans de Kafka, où on se retrouve dans sa chambre sans savoir comment on y est arrivé, en fait. Donc c'est cette rupture là que j'ai voulu présenter, et cette même rupture, en fait, que nous devons faire avec nos anciennes traditions, qu'il convient de mettre dans le placard ou d'y revenir, en tout cas, mais faire un choix. Et c'est l'idée de la rupture qu'il y a dans l'allégorie de du début, en fait, du roman. De ce départ. Ouais. Mais Mambi, est-ce que le fait de vivre en France, oui. ne vous amène pas à rompre directement avec ces choses? Vous les avez jamais pratiquées, à vous donner de telles idées? Non, je ne les ai jamais pratiquées. Bon, j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux. Et j'ai toujours aussi été friand de ces histoires-là, parce que je n'ai jamais été confronté directement à ce type de situation, mais j'ai entendu ci et là des histoires de gens qui ont découvert dans des armoires de tels des squelettes humains. Donc ça m'a toujours bouleversé, et je me suis toujours posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui mène un être humain à faire ce type d'acte-là? Et la seule réponse que j'ai trouvée, réponse du syncrétisme, en fait, du syncrétisme religieux, parce que je pense que si on n'était que musulman ou que chrétien ou que, en tout cas, qu'une seule religion, on n'aurait pas commis de telles pratiques. Et le malheur, c'est que ce sont des pratiques insoupçonnées, parce que les gens qui les font ne sont pas officiellement des gens considérés dans leur environnement immédiat comme étant des gens qui pratiquent ce type de choses. Et c'est ça le malheur, parce que tout le monde les considère comme étant des bons musulmans, de bons chrétiens, mais en réalité, lorsqu'ils sont seuls avec leurs fétiches et leurs accompagnateurs, ils font des choses pires. Mais aussi, dans ce livre, je prends des sujets que j'appelle des intertextes exogènes, mm-hmm. dans votre roman. C'est le rapport entre les femmes et les hommes. Mm-hmm. Et là, vous dites, les femmes... on dit aux hommes, si nous perdons une partie de notre organe, il faut qu'on soit... de façon équitable, vous puissiez aussi perdre une partie de votre organe. Vous parlez d'allégorie, mais vous mettez là en contradiction. Non, mais c'est la bêtise de l'hypocrisie, c'est la bêtise de l'excision que j'essaie de dénoncer, parce que la plupart de ceux qui soutiennent l'excision disent que c'est un moyen, c'est-à-dire en amputant ou en sectionnant cette partie de la femme, c'est une façon de maîtriser quelque part son excitation. Ben, je dis, pourquoi ne pas en faire de même pour les hommes, puisque finalement les hommes aussi sont dotés de quelque chose qu'on peut diminuer. C'est ce que j'ai voulu dénoncer à travers ce personnage qui s'appelle Nandi qui veut dire vérité. C'est une femme, ouais. Nandi qui dit la vérité. Ouais, voilà, parce qu'elle se dresse contre les hommes. Elle se dresse contre les hommes et qui sont souvent tyranniques. En fait. Tyranniques, ouais, c'est vraiment tyrannique. C'est vraiment tyrannique. Mais d'ailleurs, ce que j'ai aimé, c'est que et cette fois-ci, c'est les femmes qui s'opposent à l'excision. Exactement, c'est les femmes. Mais c'est le contraire, en réalité, dans nos sociétés. Oui. Parce que les femmes résistent à cela. Exactement. Mais ceux qui y résistent, généralement, c'est ceux qui l'ont subi. Mais je pense que ceux qui n'ont pas subi l'excision ne peuvent pas le défendre.
Et bon, les femmes de mon roman l'ont subi, mais je pense que ben, cette rupture aussi, pour revenir au terme de tout à l'heure, la rupture doit venir des femmes. En fait, il ne faut pas attendre que les hommes décident, puisque souvent ce type de questions, les hommes restent très souvent muets. Écoutez, moi je suis très très frappé par votre érudition, je suis aussi frappé par vos connaissances littéraires. Je pense que vous avez lu la littérature guinéenne, les auteurs guinéens, et quel regard vous pouvez vous rentrer aujourd'hui dans ce monde-là. Et je vous disais tout à l'heure que vous appartenez à la nouvelle vague, c'est-à-dire la nouvelle tendance de la littérature guinéenne. Je vous parlais tout à l'heure de Fofana Libar, de tant d'autres, de Mariam Bari, de Yamoussa Sidibé. Ouais. Et puis vous venez d'enrichir cette littérature par ce livre, Sadaka, Les Sacrifiés. Et quel regard vous portez aujourd'hui ou vous jetez sur cette littérature qui a 63 ans d'existence? Je pense que la littérature guinéenne est l'une des plus prolifiques d'Afrique. Ça, pour moi, c'est clair, parce qu'avec des auteurs comme Camara Lai, William Sassine et Kernomone Nembo, que j'appelle le tripied de la littérature guinéenne, on fait difficilement mieux, en fait. Et peut-être qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de publicité, tout simplement, mais je pense que la littérature guinéenne est l'une des littératures les plus riches. Et moi, personnellement, je suis venu un peu à la littérature par hasard, parce que j'étais plutôt matheux quand j'étais au lycée. Et c'est quand je suis arrivé en France, en fait, que je me suis mis à lire. Mais j'ai commencé par lire des auteurs guinéens, puis africains. C'est comme ça que je suis tombé, par exemple, sur William Sassine. Et je n'ai pas compris pourquoi, lorsque j'étais au collège et au lycée, on ne m'a pas fait lire un seul bouquin de Sassine. Et justement, actuellement, c'est notre combat ici auprès du ministère de l'Enseignement de base, pour qu'on puisse mettre les auteurs guinéens au programme scolaire. C'est tout à fait important que les jeunes guinéens sachent ce que les jeunes ont produit. Exactement. La preuve, c'est à partir de la France que vous êtes intéressé à la littérature guinéenne. Exactement. Vous êtes romancier. Ouais, je pense que si j'étais resté en Guinée, j'aurais jamais été romancier. Peut-être qu'on m'aurait traité de rêveur si j'avais décidé un jour d'écrire. Mais dire à tes amis que tu veux écrire. J'ai été traité de rêveur lorsque j'ai commencé à écrire, et quand ils ont vu le résultat, ils se sont dit finalement peut-être que c'est parce qu'on est mal initié. Je pense qu'on est mal initié à la littérature, parce que depuis le primaire, moi, on me faisait lire des romans comme Germinal, par exemple. Ça m'a fait détester les livres, parce que c'est épais, c'est un pavé. Ça, c'est l'œuvre des parents. Oui, d'Émile Zola, en fait. Germinal d'Émile Zola. Oui. Bon, alors qu'on aurait pu, par exemple, me faire lire Les Bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembène, qui traite exactement le même sujet. Mais on a une tendance un peu occidentale, en fait, à être initié à la littérature. Alors que je pense que lorsqu'on est au primaire et au collège, mieux vaut privilégier la littérature africaine, qui est assez riche. Il y a des auteurs africains qui sont incroyablement puissants. Je pense à Sunila Boutansi, à Yambo Le Guem. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire de Sunny. J'ai fait un plateau en 1987 à Brazzaville. Ouais. J'ai vu Sunny qui arrivait, qui avait des problèmes de santé, mais il a dit: Salif, je sais que vous faites un plateau ici à Brazzaville, et je me suis déplacé, je suis convalescent, je me suis déplacé pour venir prendre part à votre émission. Ouais. Effectivement, il est venu, il a participé à l'émission Sunila Boutansi. Ouais. C'était en avril 1987 à Brazzaville. Ah, j'étais loin d'être né encore. Ah oui, c'est toute une génération d'auteurs qui sont passés ici, à commencer par Amadou Kourouma. Oui, Amadou Kourouma, par exemple, que je n'ai pas cité, Mariam Ba, et que je n'ai pas connu, mais... Par exemple, je connais très bien Aminata Sofal. Ouais. Aminata Sofal, Ken Bougoul. Ken Bougoul, Marietou, qui est une grande amie. Exactement. Il y a de grands auteurs africains comme ça, guinéens d'abord et africains, qu'on pourrait mettre en avant. Bon, nous, on n'a pas encore atteint ce stade-là, mais on a encore quelques années devant nous. Oui, mais votre premier roman, déjà, vous a mis sur ce chemin. Je pense que ce n'est pas une première, ce n'est pas un feu de paille, parce que j'ai connu beaucoup de jeunes gens qui viennent à la littérature, qui produisent un livre et puis qui disparaissent. Non, moi, j'espère que d'ailleurs la suite est bientôt terminée. Peut-on savoir, curieusement, sur quel truc vous mettez pour... J'ai pas envie de décourager mes lecteurs déjà et mes futurs lecteurs, donc je pense que je ne peux pas en parler parce que ça commence par... Est-ce que vous voulez faire une trilogie ou bien c'est la suite de celui-là? Disons que c'est la suite. Bon, au début, j'avais pensé à faire une trilogie, mais il faudrait que l'histoire aussi que je suis en train d'écrire ne finisse pas pour que ça débouche sur une trilogie. Bon, j'ai quand même cette difficulté à mettre un point final, en fait, à tout ce que j'écris, que ce soit roman ou poésie. On a toujours l'impression que mes œuvres ne sont pas achevées, en fait. Bon, peut-être qu'il y aura une trilogie. Celui-là, en le lisant, quand on arrive, elle est presque pas achevée, si vous voulez. Je peux donner ce passage. Au moment où le crépuscule étendait sur nous son voile éphémère, des véhicules projetèrent leurs éclats à l'entrée du domaine. Et M. Madidi était
de retour chez lui. Mais pourquoi revient-il à la maison ? Il revient parce que ça, le roman a commencé comme ça. Le roman a commencé par l'éclat de ses phares qui viennent comme une lumière, comme ça éclairer un quartier qui est sombre. Et de la même façon, je termine le roman. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un point final parce que mais instinctivement comme ça, je peux pas mettre de point final. En fait, il faut toujours qu'il y ait une continuité de la même façon que la vie continue. C'est comme ça que mes romans continuent. D'ailleurs, des romans qui sont dans ce bouquin se retrouvent dans l'autre roman. Donc ainsi de suite jusqu'à ce que je leur donne une vie réelle, en fait, même si je sais qu'ils n'existent que dans mon imagination. Mais votre tendance aussi à réhabiliter certaines expressions, sousou, maninka, et peul, dans ce livre, qu'est-ce qui vous motive à faire cela? Bon, c'est des expressions idiomatiques, en fait. C'est des sortes de clins d'œil que je lance un peu à l'ensemble des communautés qui peuplent notre pays. Et bon, c'est tout simplement ça, quoi. Je voulais qu'en le lisant, on ait parfois des petits instants de sourire parce qu'on a vu des termes oui, comme Afakoudou, comme Boudi. Oui, très léger. Ouais. Et puis, ils ne se plaignent pas au sérieux. Ouais, je le disais tout à l'heure au début, dans toute mon œuvre, je souhaite garder cette légèreté dans mon œuvre. Je pense qu'on peut dénoncer des choses graves en étant drôle, en étant simple. Et pragmatique, en fait. Donc Sadakal, c'est ainsi, et je pense que la suite, je pense que je peux vous donner le titre de mon prochain roman, c'est Tendérance. 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 Exactement. T-A-N-T. T-A-N-T. Et Dérance. Dérance, voilà. Okay. Au pluriel, Errance. Et qu'est-ce qui est à la recherche de l'ailleurs? Qu'est-ce qui dandine ici, en Afrique ou en Europe? Disons, le début, c'est encore à Kafokaka dans le quartier qui m'inspire, qui s'intéresse à Sangoya, ensuite qui se projette vers le Maroc, et ils finissent en France, en fait. Donc là, c'est la condition humaine que j'ai envie de décrire dans ce roman, en reprenant quelques-uns des mêmes personnages et en les faisant voyager à travers le monde, et aussi souligner la perception qu'on a des Noirs, en fait, dans le monde entier, notamment dans le monde arabe. Tout le sud de certains pays arabes constitués de Noirs. Exactement. Mais cela s'explique aussi historiquement. Ouais. Oui, je pense que le Maghreb était peuplé. En tout cas, lorsqu'on lit chez Kanta Diop, c'est ce qui en ressort. Le Maghreb était peuplé de Noirs. Oui. C'est avec les conquêtes que les populations... Bon, il y avait aussi des Berbères, mais c'est avec les conquêtes que les populations arabes se sont implantées dans le nord du Maghreb, sinon même les Égyptiens antiques étaient, selon Cheikh Anta Diop, et bon, c'est la thèse que je suis aussi jusqu'à preuve du contraire, étaient des Noirs. Oui, Mami, et je reviens un peu sur cette question, les mythes. Mm-hmm. Pourquoi commencer un roman dans le domaine des mythes et de la mystique? Oui. Donc je disais que lorsque vous m'aviez posé la question, j'avais enchaîné sur Dostoïevski. Donc je disais que j'avais lu beaucoup de romans russes. Oui. Et j'ai constaté que les auteurs russes de l'époque, et c'est pourquoi d'ailleurs que la littérature russe est l'une des plus prolifiques de l'histoire de l'humanité, peut-être oui. après la littérature shakespearienne, on peut citer la littérature russe. Et c'est parce que les Russes, ils étaient dans le concret, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'esthétique comme beaucoup d'auteurs français. Ils étaient dans le concret et ils dénonçaient l'état de leur société. Et moi, pourquoi le mysticisme? Parce que je pense que c'est l'une des tares de notre société. L'excision, c'est l'une des tares de notre société. Les jeunes qui passent leur temps à s'alcooliser dans les bars, c'est l'une des tares de notre société. Et quelque part, moi, en tant qu'artiste, parce que je suis un écrivain, je veux amener les intellectuels africains à s'occuper de ces choses-là, parce qu'en réalité, c'est leur travail. Je pense que c'est moins... Les artistes peuvent dénoncer, mais ceux qui peuvent réfléchir et changer, ce sont les écrivains, et ce sont les intellectuels. Et bon, malheureusement, en Afrique, on a beaucoup d'intellectuels, mais qui sont intellectuels que de façade ou de nom. Oui, je suis d'avis, et de façade, plus, des intellectuels. Parce que de plus en plus, on dit que les intellectuels en Afrique ont échoué. Ils ont échoué, je pense qu'ils ont, ils ont échoué. Ce sont des intellectuels de la pensée. Bon débat, hein. Ouais. Dans lequel on ne va pas rentrer. On l'a fine pas. Est-ce que vous avez lu Mansama Kandiabaté? Parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que le prochain parlera encore de ce quartier. Non. Mansama Kandiabaté, qui a écrit une trilogie sur Kita et le quoi faire de Kita et ainsi de suite. Fait trois. Alors, vous avez cette tendance à le faire. Ouais, bon, ce quartier-là. Je vais me dépêcher de lui dire. Peut-être que ça va. Mansama Kandiabaté, qui a publié le coiffeur de Kita. Il a travaillé sur les petits métiers de Kita.
D'accord, je le connaissais pas du tout. Mais C'est un auteur à lire, un auteur africain à lire, qui a passé son enfance ici en Guinée, à Koya. D'accord, il était de quel... Il est malien. Il était malien. D'accord. Il est mort, il était malien. Okay. Et donc le quartier c'est Akafo Kake, ouais. Voilà. Donc vous donnez Akafo Kake. Ouais. Et donc sera au centre de vos différentes œuvres. Oui, en tout cas de la prochaine œuvre, l'histoire commence là-bas. Et les jeunes aussi sont originaires de ce quartier-là. Mais ouais, peut-être que je garderai cette constante, pourquoi pas. Si ça me réussit, je pense que je garderai. Ok, si ça vous réussit, vous resterez dans cette constante pour nous produire une trilogie. Mamie ouais. L'Africain Magasuma, mesdames, messieurs, que nous avons reçu pour vous ce soir, Sadakal, Les Sacrifiés, Mabi. Mmh. À votre âge, vous publiez ce livre. Ouais. Et ça me ramène à vous poser cette dernière question relative à la lecture. Mmh. Comment êtes-vous devenu écrivain? Voilà, exactement. Avant d'être écrivain, j'ai d'abord lu, en fait. Mais même si au départ, je n'étais pas un grand lecteur. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vraiment beaucoup lu. Et j'économisais, en fait, je profitais de mon temps de métro pour lire. Parce que j'avais une heure de fac en partant, une heure de trajet en partant à la fac le matin, une heure au retour. Donc ça me faisait deux heures de lecture. Et la nuit, je lisais une heure avant de me coucher. Donc ça me faisait trois heures de lecture par jour. Et j'ai eu l'occasion de lire beaucoup d'auteurs africains que j'avais lus sous contrainte quand j'étais en Guinée. Et que sous contrainte? Sous contrainte parce que je n'aimais pas la littérature, parce qu'on me faisait lire des Germinales, on me faisait lire des Éducations sentimentales, qui sont des très beaux romans, qui sont des chefs-d'œuvre de la littérature, mais qui ne me concernent pas, qui ne m'intéressent pas directement. Peut-être que pour m'évader, je peux les lire. Et aujourd'hui, lorsque je les lis, je vois l'intérêt de les lire, mais à l'époque, je ne voyais vraiment pas d'intérêt. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup lu sous contrainte. Donc j'ai lu et... Sous contrainte, sous le regard de votre papa ou de l'obligation de lire oui, mais mes par parents... semaine un livre ou par mois un livre? Oui, mes parents sont de grands lecteurs, mais aussi sous contrainte de mes profs, dont je ne vais pas citer le nom, qui m'ont poussé à la lecture, même si je n'aimais pas trop ça. Mais quand je suis arrivé en France, par contre, je lisais vraiment par passion et il ne passait pas un jour où je ne lisais pas. Et avant de décrire, j'ai lu. Donc c'est un préalable. Et je pense que toute la jeunesse devrait en faire de même parce que le roman est important. Parce que je pense que les sociétés, même à l'avenir, sont décrites dans des romans d'aujourd'hui. Lorsque je lis, par exemple, Saint-Monsieur Bali de William Sassine ou le Jeune Homme de Sable, ouais. Par exemple, j'ai l'impression en fait qu'il décrit la société d'aujourd'hui, lorsqu'il parle de totalitarisme, parce que c'est Monsieur Bali, le jeune homme de sable, il y a un peu cette présence du totalitarisme un peu partout, même dans les rues, dans les maisons. Et j'ai l'impression que ça existe aussi de nos jours dans certaines sociétés. Donc c'est d'où... C'est des visionnaires. Exactement, c'est pour ça que c'est des artistes, c'est des visionnaires, c'est des gens qui sont en avance sur leur temps. Et c'est ça l'intérêt de la littérature, et surtout de la littérature propre à son milieu, en fait. On apprend beaucoup plus en commençant en lisant par les auteurs de son pays, de son continent, ensuite se projeter vers les auteurs d'ailleurs, en fait. Au lieu de commencer par le sens inverse, et là, on est complètement perdu, on se dit, mais à quoi sert de lire, en fait? Mais voilà, vous avez beaucoup lu, et aujourd'hui, vous avez ce premier roman, nous attendons le second, vous serez toujours invité dans cette émission, Papier Plume Parole. Mesdames, Messieurs, j'ai reçu pour vous ce soir dans cette émission Mambi l'Africain Magasuba, qui a publié Sadakal, Les Sacrifiés, et 10 livres. Ce livre, vous pouvez le retrouver ici à la Maison du Livre ou chez L'Armatan. Et donc, ce livre de Mambi l'Africain Magasuba, qui est le premier du genre, un roman bien enlevé. Je vous invite à le lire. Moi, j'ai bien aimé et puis j'ai un peu rigolé en le lisant parce que je disais tout à l'heure dans cette émission que ces héros ne se prennent pas au sérieux. Il a essayé de nous décrire, de nous construire un monde bigarré avec des héros de plusieurs couleurs. Et avec eux, on passe un très beau moment en lisant ce livre de Mambi l'Africain Magasuba qui était notre invité ce soir, Sadakal, Les Sacrifiés et 10 livres que je vous recommande. Je vous retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour parler encore d'un autre livre. Bonsoir.